complice. Vous avez partagé les choses ensemble, même avec son fils. Ne fais plus une sortie concernant cette histoire de ton copain ou ton ex-copain, je ne sais pas trop, dans les réseaux sociaux. Il faut éteindre cette affaire comme ça là. Laisse ce garçon faire son deuil. Ce n'est pas n'importe qui. Achille Emana, c'est un lion indomptable. Il a représenté le Cameroun. Il a joué avec le verbe jaune. Quel qu'en soit ce que tu n'es pas une aide de femme. Tu es une belle fille. Mais le comportement qui va avec, ce n'est pas bon. Tu vas encore faire une autre vie ailleurs. Ce n'est pas comme si demain ou après demain, tu n'auras plus quelqu'un d'autre. Toi, quand on voit, te voir sans que les gens courent, après toi, tu n'es pas moche. Je ne dis pas que tu as raison sur toute la ligne. J'ai écouté un voice d'une femme qui se plaint, qui aime son gars, qui se plaint parce que son gars peut-être. Voilà, c'est que tu as dit dans les voices, là, moi, mais les femmes le disent quand elles sont en couple avec leur chéri. Maintenant, c'est sorti comment? On ne sait pas. Comment ces nudités sont retrouvées dans les réseaux sociaux? On ne sait pas. Mais moi, je croyais que c'était toi. Si tu dis aujourd'hui que ce n'est pas toi, on te croit. Mais est-ce que c'était le moment pour venir dans les réseaux sociaux parler de votre intimité, sachant que sa maman est morte? Est-ce que c'était le moment? Donc ma chère petite soeur ou fille ou quoi, je ne sais pas trop, tu as très mal fait. Et moi, ça m'a fait du mal parce que moi aussi, j'ai perdu ma mère. Je sais ce que c'est. Je sais ce que ce garçon vit en ce moment. Et surtout les garçons. Les garçons sont souvent plus affectés même que les filles. Ce qu'il vit en ce moment, je ne sais pas s'il trouve même le... Il ne faut pas surtout dire qu'il boit, il boit. Maintenant, il va même multiplier la colle. Il faut quelqu'un auprès de lui pour l'empêcher même de boire. Il faut quelqu'un auprès de lui pour parler avec lui. Pour l'accompagner. Parce que là, il vit des moments encore difficiles. Comme tu dis qu'il consomme de la colle, là, ça peut se multiplier même en 20. S'il buvait un whisky, il peut boire maintenant 5 bouteilles de whisky parce qu'il va chercher à noyer ses soucis. Il va vivre, donc il va penser à tout ce qu'il vivait avec sa mère, de son enfance jusqu'alors, comment sa mère était avec lui, les moments qu'ils ont passés, tout ça va défiler dans sa tête. Parfois il va croire qu'elle n'est pas morte, parfois il va croire qu'elle est là. Puis il va écouter les voix, il va écouter sa voix. Donc maintenant il passe des moments très très difficiles. C'est là où il peut même sombrer encore bien dans l'alcool. Et c'est vous, les personnes qui disent l'aimer, qui devaient plutôt être auprès de lui pour l'accompagner, pour le soutenir, pour être avec lui. Ce n'est pas vous qui venez aller l'exposer pendant les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon, ma soeur. Ce n'est pas bon. Je crois que ce garçon, franchement, c'était mon petit frère, je l'aurais interdit de te revoir. Moi, je te jure. Mon petit frère, je l'aurais interdit que tu ne dois plus jamais, au grand jamais, voir cette femme-là. Parce qu'elle a déshonoré notre maman. Elle a essuyé le deuil de notre mère. Elle a humilié notre maman. Plus jamais, moi, même si tu avais donné de l'or à mon frère, même si tu donnes des diamants, je veux dire que papa, nous ne sommes pas nés avec le diamant, nous ne sommes pas nés avec l'or, mais cette femme qui est morte là, elle était notre diamant, elle était notre or, c'est elle qui nous a donné la vie, c'est elle qui a tout fait pour nous. Le diamant n'a pas de valeur à la place d'une mère. Non, je veux dire à mon petit frère que stoppe-moi cette relation-là et ça soit à vie. Moi, je ne mens pas. Pour moi, je l'aurais fait. Non, je vous jure. Parce que moi, mes petits frères s'amusent avec moi. Quand une copine de mon petit frère me dit, je te regarde deux fois, c'est vrai que tu n'es pas quoi. Il dit que non, mon petit frère n'ira jamais avec toi. C'est une vérité que je te dis. Moi, si j'étais la sœur de ce garçon-là, je t'aurais interdit à vie dans sa vie. Je jure devant Dieu, devant les hommes. Non, je l'aurais dit terminé. Même si elle donne de l'or. La maman, l'or c'est quoi devant une mère? L'argent c'est quoi devant une mère? Tu as acheté le cercueil en or. Mais si tu ne respectes pas la femme qui va dormir dans ce cercueil là, je casse le cercueil et que pas avec, j'enterre ma main nue. Si tu achètes le cercueil, tu me mets, mais comment? Pour avoir un corps au Cameroun de Ben, pour le Cameroun c'est combien? Surtout 7000 euros, 6000 euros. Même 3500 euros, on rapatrie les corps maintenant. Tu rapatries le corps de ma mère. Tu arrives au Cameroun, tu te comprends quoi? Je prends le cercueil là, je casse, je mets ma main dans la tombe nue. Je mets son corps nu dans la tombe, il ne peut pas comme ça. Si ton fils n'a rien, mais pas ma fierté. Pas fierté, je t'enterre nu, je n'ai pas. Mais maman, je refuse qu'on t'humilie. Je refuse qu'on salisse ton deuil. Je refuse qu'on t'insulte. Je refuse qu'on te rabaisse. Je refuse ça. Il faut arrêter. Mais c'est pas comme ça. On ne fait pas ça.
Et tu es tenté de rire. Pendant qu'il pleure, vous racontez, oui, je l'aime beaucoup. Non. Quand on aime un homme, on protège cet homme-là. Quand on aime un homme, tu crois que tous les hommes qui m'humilient sur la toile, je n'ai pas des choses à dire sur eux. Si j'ouvre seulement ma bouche, tout le monde va prendre feu avec les preuves. Mais je laisse qu'ils m'humilient. Je laisse qu'ils disent tout sur moi. Je prends ça sur moi parce que je suis une femme. Je suis mère. J'ai des petits frères. J'ai des grands frères. Je ne peux pas faire comme eux. Parce que si des mois après demain, je me comporte comme ça, mes frères, ils vont aussi rencontrer des femmes. Donc je prends sur moi. Ils disent tout. Ils ont déjà tout dit. Ce n'est pas grave. Je prends sur moi. D'autres ont même primé les couettes. Ils ont déposé en Facebook. Alors que moi-même, j'ai pour eux que pas les déposer. Mais je n'ai pas osé le faire. Parce que je suis femme qui est réfléchie. Je les laisse faire. Je les laisse faire. Parce qu'ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part. J'ai vu l'autre de jouer en boîte. Je suis sorti, m'a vu le gars à l'entrée de la boîte de nuit. C'est comme si je tremblais sur moi. Comme si j'avais la tremblante. C'est comme si j'ai vu quelqu'un. Mais j'ai fait demi-tour. J'ai commencé à avoir peur. J'ai dit non. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi je ressens ça quand il voit cette personne? Pourquoi je ressens ça alors que c'est quelqu'un que j'ai aimé dans la vie? Pourquoi? Parce qu'il m'a fait du mal. Donc, ma chère soeur, moi j'ai honte. Et tu dis que oh, elle pleure, l'homme, elle pleure, je ne pleure personne. Parce que c'est une décision qui a été prise par moi. Personne ne vient dire que t'attends l'autre, tu as pu mourir. Elle a appelé, je n'appellerai personne. J'ai dit que jusqu'à la mort, mon téléphone, je préfère mourir. Quand tu touches à Louise Gloria, tu dis du mensonge sur mon enfant, l'unique que Dieu m'a donné. J'ai une mission pour elle. Dieu m'a envoyé une mission sur terre pour Louise Gloria. Et si tu touches à Louise Gloria, tu dis des mots, tu mens sur Louise Gloria, je vais tailler toute ma vie. Même si tu me donnes l'or, même si tu me donnes le diamant, je vais te refuser ton diamant. Parce que l'enfant, là, c'est tout pour moi. C'est comme la mère d'Achille. Tu as tout donné à la mère d'Achille. Mais ce soir, ma chérie, tu as tout gâté. Tu as tout gâté. Le respect que le monde entier, que sa famille avait besoin, tu as tout beau, tu as tout déposé dans la poubelle. C'est mort. Si le gars là dort encore avec toi, il dit que maman, maman, ça que tu es, que papa, le tout si même, ta mère va te maudire même dans la tombe. Parce qu'il faut que, ce que tu dois faire des traditions. Tu dois rentrer devant la tombe de sa mère, s'agenouiller, demander pardon à la maman, là même encore en direct Facebook. Que ce que j'ai fait là, j'ai fait fort. Tu l'aimes, peut-être aussi il t'aime. Peut-être il t'aime aussi, il y a des moments comme ça. Tu sais, quand il y a deuil, quand il y a deuil, ça peut créer des tensions. Quand il y a deux, ça peut créer des tensions. C'est comme quand une femme est enceinte. Ça fait des tensions dans les couples. Il y a des événements qui apportent des tensions, des événements qui apportent des tensions. Donc ça peut créer quelque chose. Ça peut vous éloigner. Mais c'est à toi de gérer. On dit souvent que les belles femmes là sont quand même bizarres. Hein. Quand vous voyez vous êtes belles là, mais vous n'avez pas encore rien dans la tête. Hein. Mais c'est maintenant même quand tu devais aller dans la maison, tu devais même balayer le sol. Même si pas même avec notre engagement au téléphone, tu ne gères même pas. Que même si pas avec notre engagement fou, tu balais le sol. Le soir, quand à midi, tu peux marcher, tu fais à manger. Tu as même à boire, tu donnes à ta belle famille. Même s'il est même avec 100 gars, même s'il y a même 50 filles au deuil, tu ne gères pas. Tu joues seulement ton rôle. Après ton arrive, tu pars. Lui, il va se dire que merde, Mangala, hein. Merde. Il y avait plus de 50 gars ici, mais elle était là, elle faisait son travail. Hein. Elle nettoyait, elle a donné à boire à la famille, elle a fait ceci, elle a fait cela. Lui-même, il va prendre le téléphone, il va t'appeler. Il va t'appeler. Tu vas rester dans ton comportement comme ça, il va faire quoi? Hein? Tu vas aller passer la baronne dessus, la baronne dessus, elle-même, là, c'est pas vos problèmes. Tu as fini, comme elle a fini, elle va prendre un autre dossier. Mais c'est toi qui vas continuer à pleurer, parce que l'ondolo la mort. Tu sais, quand tu aimes un homme, que l'homme te refuse, bah, ça peut te tuer, ma soeur. Quand tu aimes un homme, que l'homme te refuse, maman, d'après ce que j'ai appris là, si c'est la personne là qui est sur ton passage, ma chérie, tu as du fil à retordre, hein, ça sera chaud. Hein. Si c'est vraiment là, si l'information
et avéré vrai que j'ai appris là, c'est que tu as franchement, tu as en face de toi, maman, un gourmier. Hein? Si c'est si ce que j'apprends dans les coulisses là, c'est vrai, c'est que maman, commence déjà à te préparer que les pleurs du bol ne vont pas s'arrêter aujourd'hui. Hein? C'est vrai que tu vas venir dans les directs tous les jours parce que, ça va, parce que la personne là que je connais, c'est une personne que je connais bien. Si elle est sur ta route avec un homme, tu te mets seulement qu'elle. Prépare seulement qu'elle. Comme tu dis que c'est toi qui donnais l'argent, là, tu vas doubler le porte-monnaie. Parce que le tout aussi. Aïe. Vraiment, tu aurais pu gagner si tu étais sage. Vraiment. J'ai regardé une belle fille comme ça et tout, avec une voix aussi douce. Et voilà. Si on comprend qu'elle est amoureuse, mais tu aurais pu me faire ça même dans ta chambre. Casser même les verres, insulter même les gens au téléphone, même les voix, insulter. Mais te placer en direct Facebook. Et dis tout ce que tu disais là, c'est vrai. Ma, hush! Je dis que c'était moi. Caché, il était mon petit frère. Je t'aurais interdit sa vie. Je t'aurais interdit sa vie. Je devais m'aller creuser, comme tu dis. Je devais m'appeler pour te dire que tu as dépensé combien pour le deuil là. Je t'ai remboursé ton argent. Et te jure, ça m'a fait maman. Mais c'est pour aller vendre même le piment. Et pas te vendre le piment pour te rembourser. Pour l'honneur de ma famille. Parce qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Regarde comment vous étiez beau. Un beau couple comme ça. Regardez vos photos, comment vous êtes beau. Mais regarde comment tu te comportes après. Hein? Tu, peut-être tu as raison. Oui, les hommes sont comme ça. Tu vois que quoi? Quand un homme voit qu'il a son gars, l'argent. Mais ton gars, tu vas faire honte, non? Donc tu vas laisser ton gars souffrir. Stupide. Tu vas laisser ton gars souffrir, ma. Moi-même, si j'ai mon gars, que mon gars est gay, mais si je l'avais donné à mon gars, ma. Ce n'est pas peut-être pas que tu donnes l'argent à un homme que tu dois t'oublier. Tu dois donner l'argent à ton gars, mais quand même, jouer ton rôle de femme. Si tu donnes ton l'argent à ton gars et que tu ne joues pas ton rôle de femme, l'homme va fuir. Il ira toujours chercher dehors. Tu connais c'est l'argent qui arrive. L'argent arrête un homme, ma. Tu vois que tu avais ton gars là, mais tu donnes là ton gars, il peut même donner les petites filles au quartier. Il entretient les petites filles, il leur loue même les maisons. Avec ton argent. Ma chérie, tu as toute la beauté du monde. Tu as tout l'argent du monde. Mais ce que tu as fait Achille et Mana aujourd'hui là, dans les réseaux sociaux, Achille et Mana, ce n'est pas n'importe qui. Achille et Mana représente un pays. Il était décoré chevalier de l'ordre de la Valeur au Cameroun. Il a représenté le Cameroun, le vert ou jaune. C'est un lion indomptable. Il a donné sa vie pour le Cameroun. Il s'est battu dans les stades pour le Cameroun. Il t'a aimé. Il t'a présenté à tout le monde. Ce n'est pas le genre d'amour qu'il cache derrière qu'on ne te voit pas avec lui. Il t'a présenté que voici ma femme. On vous voit dans les photos, on voit comment. Mais quand on voit que c'est cette femme aujourd'hui, cette femme qu'il a présenté à ses amis que voici mon gars. Cette femme qui l'a présenté à sa mère, que voici ma femme. C'est cette même femme qui s'assoit sur les réseaux sociaux pour débattre les histoires de sang qu'elles sont pendant que sa mère est dans la tombe. Il n'y a que 2,48 heures, hein? De toi à moi. L'homme là peut rester avec toi. De toi à moi. De toi à moi. L'homme là peut... Donc tu vas encore te déshabiller devant le gars, il va dormir sur toi. Je dis, hein? Donc toi, si le gars d'Achille est malade, il a encore dit qu'il va bouiller avec toi. Tu vas lever la Bible, il va te faire l'amour, tu vas accepter. Maman, c'est que tu vas accepter de faire l'amour avec lui. Avec ce que tu as fait aujourd'hui là. Banaloba. Tu vas faire l'amour avec le gars là. Ou le gars là t'appelle avec. Maman, on dit que. On ne sait même pas la première des sangs qu'elles sont. Franchement, c'est qu'il va vous respecter. Hein. Il va dire que maman, ne faites pas la qualité que je vous dis que. Luna Houston, la plus belle voix du monde, c'est à cause de l'amour qu'elle est décédée. Annie Wildervoss,